tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un essai d'un véhicule qui est un petit peu en dehors de la philosophie actuelle. On est en plein dans l'ère des SUV. Et bien la voiture qu'on va essayer aujourd'hui, elle sort un petit peu de ce carcan tout en gardant un attrait ultra dynamique et peu commun pour son segment. Ce n'est pas un SUV, c'est un break. Et Peugeot en a l'habitude depuis les déclinaisons des 408, 304, 504 et j'en passe jusqu'à la dernière 508 SW. Peugeot remet le couvert avec cette nouvelle 308 dans sa version évolution 3, comme on a pu le voir lors de nos derniers essais de la berline. Ce break SW 308 conserve le charme de la berline que nous avions essayé au mois de novembre dernier. On retrouve bien entendu toute la philosophie de cette nouvelle 308 avec cette face avant très agressive, ses feux LED très effilés, ses crocs. On remarque bien entendu la présence, maintenant il faudra s'y habituer, du nouveau blason Peugeot. Ce break 308 SW n'a plus rien à voir avec les breaks d'antan. On remarque tout de suite qu'elle est typée, elle est ultra féroce, comme le veut Peugeot bien entendu. On remarque ses ailes galbées, sa ligne de toit sculptée. Non, vraiment, c'est une voiture qui va faire tourner les têtes. C'est un break utile, mais chic. C'est une philosophie qui peut aussi supplanter dans certains cas la mode des SUV, comme je vous le disais tout à l'heure, tout en gardant toute la philosophie de la marque, toute la philosophie de cette nouvelle 308, que ce soit en équipement et en apparence, parce que le look compte aussi. Alors quand on parle break, bien entendu, on parle capacité coffre, puisque c'est une voiture qui sera amenée à être légèrement chargée. C'est sa philosophie, tout en conservant quand même un côté sympa. La 308 n'y déroge pas, avec une capacité de coffre de 608 litres avec la banquette arrière maintenue. Si on rabat grâce à ces petites manettes les sièges arrière d'un seul coup, elle passe à 1635 litres, ce qui est dans la moyenne des concurrentes de la 308 SW, que sont les Golf SW et autres Skoda Octavia. On retrouve l'agressivité de cette 308 qui mesure maintenant 4,64 m de long. Donc elle a un empattement qui a été rallongé de façon à pouvoir faire bénéficier d'une habitabilité aux places arrière indéniable. On va aller faire un petit tour à l'intérieur et vous montrer bien entendu aussi les capacités sur route de cette 308 SW que nous on trouve assez sympa, assez agressive, pas commun dans le segment. Cette 308 SW donc embarque exactement les mêmes fonctionnalités que sur la berline. On retrouve donc ce fameux petit volant. On retrouve bien entendu le e-cockpit. On retrouve les e-toggle que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Toute l'intertêtement nouvelle génération qui a été mis en place sur cette 308 avec un certain nombre de d'aide à la conduite, régulateur adaptatif. En bref, exactement ce qui est présent sur la 308 berline, en fonction bien entendu des versions, puisque là je vous rappelle qu'on est sur une version allure, c'est-à-dire milieu de gamme, mais avec un intérieur très bien fini, présence de mousse, de plastique très bien fini, laqué, un décor de tissu, une luminosité et un accueil intérieur qui est assez sympa.
allons maintenant prendre la route avec cette 308 SW de façon à se rendre compte par nous-mêmes des capacités de ce nouveau break de chez Peugeot sur les petites routes des Yvelines. À tout de suite. Alors au volant de cette nouvelle 308 SW, on s'attend à ce qu'elle soit un peu lourde, un peu pataude. Et bien pas du tout, pas du tout. Elle est vraiment agile. Elle est agile, elle a un poids pourtant de 1345 kg. C'est quand même 200 kg de moins que la version hybride à cause des batteries. Mais on est bien assis, une précision de conduite, un train avant qui est très incisif. Non, franchement, elle va exactement où on veut. Niveau suspension, c'est pas mal du tout. Le train arrière n'a pas l'impression de vouloir passer devant, justement, malgré l'empattement de la voiture. Cette 308, elle s'inscrit bien dans les courbes, même sur des petites routes. Le train arrière, il suit sans broncher. Hein. Elle est très agile. On a pourtant essayé de la mettre un petit peu en difficulté, notamment au niveau de rond-point qu'on a essayé de prendre avec une vitesse un peu plus rapide que la normale. Et elle ne bronche pas. Elle reste très bien collée à la route. Le fameux toucher de route. Toucher de route Peugeot. Donc à son volant on est en fait en sécurité. Hein. Le châssis est très bien équilibré. On se sent vraiment vraiment bien. Une prise en main impeccable avec ce petit volant. En rappelant quand même que c'est pas une sportive. Elle a un petit moteur 3 cylindres de 130 chevaux avec une boîte 8 automatique. Les relances de la voiture sont franches, hein. C'est pas stratosphérique mais c'est pas mal. Elle ne manque pas de couple. Comportement bruit environnemental, c'est super. Non, franchement, Peugeot a fait vraiment quelque chose de top sur cette SW. Alors niveau consommation, le constructeur, comme d'habitude souvent, donne des moyennes qui sont un petit peu alléchantes, hein, à savoir pour ce modèle environ 5 litres 2 au 100. Nous, on a été en conduite à peu près un peu diverse, c'est-à-dire route secondaire, route un petit peu plus rapide. On est sur une moyenne de 7 litres au 100. Alors, je reviens un peu sur le confort intérieur de cette 308 SW. Hein. J'ai déjà développé tout à l'heure en statique, hein, mais... on a une très bonne prise en main de la voiture. L'intérieur est très sympathique, les finitions sont soignées, les matériaux sont de qualité. On retrouve tout le nouveau système entertainment de Peugeot avec ce grand écran large, le e-cockpit bien entendu. Les sièges sont très confortables, la position de conduite est top. On retrouve exactement le même environnement facial que sur la 308 berline. Non, franchement, on est bien. C'est une voiture qui est prête non seulement à abattre des kilomètres, mais aussi à se rendre utile grâce à son seuil de chargement.
hein, que je rappelle est d'environ 608 litres. Top. Donc la 308 SW va arriver en concession d'ici peu de temps. Le modèle que nous essayons actuellement est au catalogue environ au tarif de 36 500 euros dans cette finition donc Allure avec jante 18 pouces. Il y a un certain nombre de catalogues optionnables en plus hein, comme sur beaucoup d'autres véhicules de la marque. Mais en conclusion, pour nous, cette 308 SW, c'est l'un des meilleurs breaks du marché. Non seulement par son côté esthétique, hein, sa face avant qui, je le répète, est agressive, ce qui n'est pas commun sur ce segment. Une ligne de toit dynamique, une conduite irréprochable, donc un design unique. Tout dégage de la férocité sur cette voiture à l'image de ce que veut en donner Peugeot. Les équipements sont de dernière génération, très techno. Le châssis, eh bien, il n'y a rien à dire. Hein. Le châssis, le fameux toucher de route Peugeot, bah, il est toujours là. En bref, on a vachement aimé cette 308 SW. On partait un peu avec des a priori de lourdeur, de voiture un peu pâteau, de corbillard. Pas du tout, et je peux vous dire que au regard des têtes qui se tournent à notre passage, c'est une voiture qui va cartonner dans son segment et qui va peut-être même être l'arme anti-SUV pour certains. Bien écoutez, j'espère que cet essai, ce petit essai de cette nouvelle 308 dans sa version SW vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour un nouvel essai sur GT Passion.